Bonsoir. Je rentre du 4L Trophy là. Pas évident. Ah bah ça fait plaisir de rentrer. Heureusement que j'ai la porte secrète pour aller plus vite parce que sinon je te dis pas. Mesdames et messieurs, il est temps. Il est temps de partager les vidéos du 4L Trophy. Comme vous le savez, on est parti 2 semaines avec Maxime pour ce raid de folie. Désert, montagne, petit village marocain, la totale. Il y aura 6 épisodes de ce raid, 3 sur la chaîne de Maxime, 3 sur la mienne. Il y en a déjà un qui est disponible sur la chaîne de Maxime d'ores et déjà, dorénavant, dès maintenant. Là, ce vlog, ça va être le vlog de la galère. Donc là, l'histoire, c'est que Maxime a terminé son vlog, c'était à mon tour, et là, la voiture a lâché. Terminé, bonsoir. Fini. Vous voulez suivre cette aventure? Excellent. Let's go. Nous sommes perdus actuellement dans un village, un pseudo village, on sait pas ce que c'est en réalité, mais j'ai fait une petite découverte. Suivez-moi. Regarde. On voit. Oh, c'est flippant. Hey, hey, hey. Là-bas en bas, on arrive. Urbex. 4 trophies, Urbex. Attention, ouais. Je passe en éclaireur. Y'a quoi, Cyril? Oh, regarde, un trésor. Là-bas, tu vois? Oh. Le trésor de Santa Blanca. Si. On dirait qu'on est... C'est un robot. Je crois qu'il explore le Titanic. Regarde, on est dans une épave, Cyril. Rajoute des bruits d'eau au montage. Waouh, okay, on est sous l'eau. Je m'approche du pont supérieur. Introduisez-vous. Ok, attendez. Ok, c'est bon, j'y vais. Un peu de lumière. Et des poissons là-dedans. Il y a un requin, fuyez, fuyez. Hey, là-bas. T'as entendu le bruit? Je déconne même pas, mec. Même pas, il y a une blague là. T'as entendu quoi? Un bruit de qui a fait tac tac. Je crois qu'il y a une âme. Une âme? Ouais. Nous entrons ça chez vous. Ça fait tac tac, ça veut dire qu'il essaye de rentrer en contact avec nous. Il faut partir, Maxime. C'est du morse? Ça veut dire qu'il te... Fais la lumière. Oui. C'est hanté ici, c'est hanté, c'est sûr. Cours, Cyril. Cours. Bon, on vient d'arriver à Salamanca en Espagne. On va passer la nuit ici avant de repartir demain pour Algeciras. Et cette ville est absolument magnifique. Attends, ça sent mauvais, mec, arrête-toi. Ça sent très mauvais. Oh, ça fume. Oh. Arrête-toi, coupe le moteur, coupe le moteur, coupe le moteur. Prends un extincteur au cas où. Bon, la voiture vient de faire de la fumée blanche. On est à Salamanca, en Espagne. Et c'est le caca. On sait pas quoi faire. Voilà, c'est tout. Petit entonnoir, tu veux que je fasse? Vas-y, tu veux le couteau. Comptable. Nous sommes à 4 pas la 4L, on a un quart de dos. Attends, regarde ça. Il va se couper, il va se couper. Regarde ça. Et un entonnoir fait maison pour monsieur. Un entonnoir. 5 euros, s'il vous plaît. Merci, il est vraiment beau. J'ai absolument aucune idée de comment il faut en mettre. Est-ce qu'il faut en mettre une goutte ou une bouteille? Je sais pas. Mais la bouteille, hein. Bon. Cul sec, cul sec. Doucement, là. La soif. Vas-y, démarre. Excellent. Ah, c'est ici que ça fume. Top, 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 top. Top, 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 top. Ça fume, hein. Ça fume encore. Bon, là, c'est le caca. Ça part sur une dépanneuse. Ça part sur une dépanneuse. Donc maintenant, on va attendre une dépanneuse. Va falloir aller au garage. L'aventure s'arrête ici, Maxime. C'est cool. Moi, j'ai kiffé, en tout cas. Le Maroc, je... Finalement, finalement le désert, le sable, tout ça, non. Moi j'ai kiffé les autoroutes. Bon, on va pousser, c'est parti. Mes baskets. Moi je peux vraiment pas pousser, mec. C'est horrible. A few moments later. À la réunion de la calle San Bernardo. C'est parti pour le remorquage. Au revoir. Au revoir. Passer un bon moment. Moi, on m'avait parlé de Maroc, de dunes, pour l'instant. Ok, t'as punto muerto. Quoi, punto, punto muerto? Sin velocidad. Si. C'est parti, on va au garage, on va essayer de régler ça. On l'emmène au bloc opératoire. C'est peut-être, enfin, c'est l'alternateur. On va laisser faire leur travail, parce que bon. Une belle journée s'annonce, en somme. On est tous très contents. Et ça met combien de temps à se trouver un alternateur pour 4 heures en Espagne? 1 heure. Oh, c'est nickel, Amazon Prime. Montre en main. Ils vont nous livrer en hélicoptère. En hélico, ils vont arriver, hop, colis stratégique. Je n'y crois pas du tout. Alors, on a notre ferry demain à 16h. Donc, on doit traverser la moitié de l'Espagne, là, maintenant, tout de suite. Avec pas d'alternateur. Bon, déjà, c'est pas une histoire de liquide, et ça fait plaisir. Ce sera la bonne nouvelle de la journée. Non, le bébé se fait opérer. Non, je t'ai chandolo, non.
C'est le moteur, c'est le moteur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Merci, merci, bonsoir. Bon, on commence à s'en sortir. En gros, là, il y avait un équipage, ils étaient 16. Heureusement, ils avaient beaucoup de matos. Ils avaient peut-être un alternateur en trop. On l'a pris, on l'a mis sur la 4L. Et on espère que ça va marcher. Merci, les gars. Je fais comme chez moi, hein. Excellent. Good. Excellent. Faut passer à la caisse, Cyril. Faut payer. C'est terminé, le calvaire. Allez, roulez jeunesse. On a même pas eu peur en vrai. Non. C'était le cinéma. Bonjour mesdames et messieurs. Enchanté. Je regarde la route, excusez-moi. Nous sommes en direction d'Algeciras. La ville portuaire. On va prendre le bateau. Direction Maroc. N'est-ce pas Maxime? Oui, moi, je suis le caméraman. Regardez, la route, elle est vraiment belle. On se retrouve au bateau. Sur la rocade, mais il est complètement fou. Nous sommes arrivés à Algeciras, Avenida del Embarcadero. Si, si, dire... si, señor, qui veut dire bienvenue à Algeciras, équipage 379. Oh, oh Dieu, oh, oh, oh. Ma blague, ou j'ai pas le temps. On détend. Tout, 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 tout. Sortie numéro 116 qui nous mène vers Miraflores. On arrive, deuxième tentative, vers le point de départ en Espagne, au sud de l'Espagne, là où on va embarquer les 4L. On est celle-là. On est parti. Go. On s'insère. 40 km/h. Tu prends tout à gauche, full gauche, full gauche. Okay. Épingle, 90 gauche, sur pont, puis dune. Ok, après de nombreuses péripéties et un caca dans la nature, nous arrivons à destination. Tu vas sortir dans 700 mètres. Toujours pas de 4L en vue. Le 4L. Oh putain de bordel. Oh putain de bordel. Oh bordel de merde. Waouh, c'est le bon moment. On est arrivé. Putain de bordel. Oui monsieur. Waouh 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 waouh. Oui monsieur. Waouh waouh. Ils étaient cachés hein. Oh les bâtards. Bonjour, on vient d'arriver, on n'a pas pointé, on a rien fait, au revoir. Ok, t'es un peu à la bourre les gars. Un peu. Léger, merci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés, regardez, c'est un bordel. Comme on est en retard, maintenant il va falloir tout remonter, sauf que devant nous, il y a à peu près 2000 personnes. C'est ça. Donc c'est plutôt sympa, on apprécie, c'est énorme. Ouais. Ils ont l'air vraiment bien, ces catamarans biplace, pouvant comporter des 4L jusqu'à 600 par bateau. On est arrivé. Oui, la fête. On l'a fait, Maxime, après être tombé en panne, avoir traversé toute l'Espagne, s'être perdu. Nous l'avons fait. Juste avant d'arriver, il y a le mec propriétaire d'alternateur qui a dit « Serait possible de nous le rendre parce qu'on a un pote qui marche plus. » On nous a demandé de rendre l'alternateur, on dit « C'est pas très possible, on est en train de rouler. » Ah merde ! Petit repas de fortune avant de prendre le bateau. On va reprendre des forces et après direction Tanger. Bon appétit. Pose mon pâté là, hein. En avant, Guingamp. Mélanie Trou. T'as tes papiers, Cyril, c'est parti pour le Maroc. Oui. Gilles-Oel, en mode relax au Maroc. Personne ne comprendra cette blague ici. Personne. Toi, vous pouvez vous bouger un peu devant. Merci. J'y arrive, Maxime. Ça va. A tout de suite. Ok. Demande-leur. On va monter sur le camion. Regarde, je suis Maxime. Ça va, Cyril. Bonsoir. C'est bon. Bonsoir. C'est un délit. Eh, pars pas sans moi. J'en reviens. On va rentrer à la maison, c'est parti. Un délire. Un délire, Maxime. C'était incroyable. Ils ont tous klaxonné, tous. Ils étaient tous fous. Ils étaient là, j'étais là. T'as une espèce de cohésion, là, groupale. Oh là là. À la queue leu leu, tout le monde est bien. À la queue leu leu, à la queue leu leu. Ambiance. Ambiance ce soir. On passe à la douane comme ça. Le bateau. J'ai peur, Cyril. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Ça y est, on est passé. On est au Maroc, ça y est.
on est passé. On a... Ah ouais, ça y est, des Marocains, je... Nitro. C'est bon, on est garé, maintenant on doit sortir. On va aller faire les papiers. Attention, c'est très dangereux, monsieur. Bon, on a maintenant 604 L à traverser. On se retrouve dans une petite demi-heure. Salut. Attention, il y a un rétroviseur. Attention. Allez, le Titanic. Cours, Jack, cours. Imagine que moi je suis l'eau, vas-y. Nous arrivons sur le pont du bateau. Est-ce que c'est beau? Pas mal. Excellent. Tu es content? Ouais. On est parti, mesdames et messieurs. Maxime, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que le timelapse est complètement abusé, over. On fait un petit timelapse, on vous montre ça. Je crois que les gens sont un peu pressés de partir, Maxime. Oui, je crois aussi. La douane marocaine, il vérifie les papiers. C'est parti. On est en Afrique. Maxime, qu'est-ce que ça fait de rouler en Afrique? Non, en fait, c'est exactement pareil que partout dans le monde. En fait, c'est la même sensation. C'est pareil. C'est fou. On va faire un petit plein. On est parti pour 3 heures de route. Et on se retrouve au premier bivouac. Oui. Premier bivouac. En direct du camping. Bonjour. On fait la petite inspection. Donc on passe... Tout va bien là? Excellent. Ça va à l'intérieur? Ça a l'air d'aller. Ouais. Ça va, ça va. Ah bah il faut se reposer, passez une bonne nuit. Putain, je restais une photo, espèce de connard. J'étais comme ça. De retour à la cantine. Oui. Alors la cantine, on est content. La cantine de l'université de Rabat. Ah, regardez la cantine. On est étudiants, ça y est. On est de retour à l'école. Salut. J'ai mon module de comptabilité après le cours de mathématiques. Lol. Soirée. Soirée marocaine, ambiance sans alcool. On est en train de faire la chambre actuellement. Tout se passe pour le mieux. Ça va là-bas? Non. Je suis bloqué dans mon manteau aussi. Attends. Je suis bloqué dans mon manteau. Je commence à être plat ici, hein, ça devient compliqué. Voilà un petit aperçu de notre rangement. Qu'est-ce que c'est ça? Un manteau. T'as pas le taux? Voilà, voilà. Une bonne soirée en somme. C'est tout luisant. On dirait qu'il y a de l'huile. Je te les polish là, à l'intérieur là, c'est pimp my 4 là. Attaqué de poxy, preuve. En fait, c'est parce qu'il y a de la condensation. Du coup, le toit là en métal, il est trempé, tu es trempé. Hein, c'est... Ah, on s'est réveillé, ça coulait. Pédale! Ça bouchonne, oh putain! Ça bouchonne! Pédale Morée, ça va, ouais! Bon, on continue la route, mais il y a encore un truc qui a lâché ici. La voiture, elle a commencé à péter. Dans le pot d'échappement, il y avait des flammes. Heureusement, on est tombé sur un équipage qui s'y connaît un peu plus. En gros, ils étaient juste derrière nous, donc quand on s'est arrêté, ils se sont arrêtés avec nous, ils vont nous donner un petit coup de main. Parce que là, c'est un peu le bordel. Nos bougies, c'est des œuvres d'art, mec. Là, il voit quelque chose d'incroyable. Il voit la verge qui transperce la terre pour faire émerger le monticule. Monticule qui symbolise la fertilité, qui symbolise la vaginité. Qui symbolise quelque part, on peut le dire, la bite. Il est content, hein? Hein, il est content, regarde-le. Avec sa bougie toute cassée, là, ta vieille 4L, là, ton épave. Regarde ce qui me fait conduire. Elle tombe en panne toutes les deux minutes, j'en ai marre. Mon vlog, c'est un vlog dépannage express, quoi. Du coup, là, on va changer les bougies. Et... Ouais, changer les bougies. On a changé quoi aussi là? Le doigt allumeur. Le doigt allumeur, les bougies. Il faut tout changer en fait. La 4F est une épave. J'ai sorti les outils, ils sont tout neufs, ils n'ont jamais servi. On espérait qu'ils ne le servent jamais en fait. Bon, finalement, le problème est plus grave que prévu. Il y a une deuxième voiture qui s'est arrêtée. On passe à deux mécanos. J'ai rien à dire. C'est un malsum. Là, ce qui reste à faire, c'est démonter le carbu. On va falloir tout démonter, ça va prendre du temps. Toujours respecter les mesures de sécurité. On met son petit triangle. Ouais. Je tiens à ce que si on joue, je peux dire. Ouais, je vote. Ils sont en train de nettoyer le carburateur. Enfin, je crois. Moi, je sais pas ce que c'est un carburateur, donc après. Un peu de rangement. Oui.
voilà les renforts, les mécanos, pour essayer de nous aider parce que là, c'est le caca. Il est profondément incompétent, Cyril. C'est l'histoire. Voilà! Travaille un peu, toi! Mécano de qualité! Qu'est-ce que t'es en train de faire, si alors là, je suis en train de changer le carburateur parce qu'il y avait un peu de merde dedans, donc bon, ça fait un peu de temps, mais. Faut bien le serrer surtout, hein! Ouais, j'en ai eu pour une heure, là, une heure de travail! Quel est le diagnostic? C'est bon. Qu'est-ce qui n'allait pas, Cyril? Ah, c'est le carbu! C'est le carbu, ça! Connard! T'as mis quoi? T'as mis des nouvelles bougies? Ouais, t'as mis une nouvelle. Delco! T'as changé les phares? Nickel, ah, il a changé les fauteuils. Il a fait la carrosserie. Il a mis des fauteuils de qualité. Non, on les avait pas laissés jusqu'à avant. C'est lui qui les a mis. Il a mis une petite enceinte là. Regarde la petite enceinte. La petite enceinte jaune là. C'est ouais. Lui qui l'a mis ça aussi. Ouais. Ah, elle est belle. Hein. On la voit pas, mais on s'en va les couilles. C'est toi qui as mis la poignée sur le volant aussi. Il a fait un petit logo Fanta, je sais pas si t'as vu. Non, il a pas aussi. Ouais. Non, arrête. C'est lui qui a fait le placement produit. Ouais. Et c'est énorme. C'est le résultat. Direct. Eh, hey, un truc de folie. Ah ouais, il y avait vraiment un truc. Applaudis. Merci beaucoup. Cyril a décidé de nous donner un cours de nerf, de lancement de nerf. Vas-y. Voilà, le danger public. C'est parti! Putain, on est reparti. Yalla! Oh my god! On vient de voir un spot de malade mental. On va faire un petit tour, peut-être sortir le drone. C'est moi, j'ai acheté quelques fruits et légumes éventuellement. Vous voulez des petits fruits et légumes? Bonjour. Ah, qu'est-ce que c'est? Ben ouais, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on prendrait pas un fossile porte-bonheur? Bah si hein, parce que là on est marre de tomber. La voiture elle tombe toujours en panne, si on prend un petit fossile porte-bonheur, vous c'est bon. Nous conseiller quelque chose porte-bonheur pour la voiture. D'accord. Quelque chose qui fasse qu'elle tombe plus jamais en panne. Regarde-toi, c'est toi ah qui... Ah mais faut, c'est vous qui me conseillez. Regarde-toi. J'y connais rien moi. Toi, regarde qui tu veux dans ton cœur et je te fais moins chier. Qui je veux dans mon cœur. Qu'est-ce que tu veux dans ton cœur comme qu'est-ce que tu veux. Regarde-toi. Regarde celui-là. Celui-là. Ah il est beau. Ah je suis d'accord, là on a eu un coup de cœur là. Ah là c'est coup de cœur. Ça y est, on a eu le coup de cœur. Ça c'est porte-bonheur. Hein. Oui, c'est très joli. Quartz agate. Quartz agate. Voilà la meilleure pièce. Oh, oh. Oui. J'ai fait les photos avec lui. Ah oui, voilà. Ça fera un petit discount du coup. Attends. Il est. Oh. Mesdames et messieurs, je vais réaliser mon premier plan au drone dans ce décor tout à fait magnifique. Bon, on va voir là, il y a un spot pour voir toute la plaine normalement. En plus. C'est nuageux, il y a des montagnes, il y a de la verdure, ça va être fou. Nique ça, non? Ah, mais c'est... Bonjour. Bonjour. C'est magnifique. Tu vois les petits rayons lumineux là-bas, l'illumination divine de Jésus qui m'appelle? Tu les vois, il y en a plusieurs. Hein. Regarde. C'est beau, putain. Voilà. Est-ce que tu penses que le drone, il décolle? Il y a beaucoup de vent. Ouais. On va essayer de faire décoller le drone ici, il y a pas mal de vent. Ici, on a un terrain un peu plat, ça devrait être fait. Ah oui. C'est une pièce essentielle. C'est le moteur, je crois. Faire une mise à jour. Mon code secret. C'est bon. Alors, c'est mon premier vol. Je l'ai jamais fait décoller. Je sais pas comment ça marche. Mais ça va le faire. Ça arrive. Oh. Ah. Voilà. Là, c'est normal, il détecte qu'il y a des trucs partout autour. J'ai l'autorisation, oui. J'assume l'anti-responsabilité, oui. Tu connais les contrôles? Non. Oh là là, c'est impossible. Franchement, c'est pas possible. Monter et descendre, piloter à gauche, piloter à droite, avancer et reculer, gauche-droite. Mais franchement, c'est impossible si t'as jamais piloté. Enfin, faut pas faire ça là, quoi. C'est vrai? Bah, ouais, franchement, je te le dis. Fais-le. Ah, c'est ça. Tu me le fais juste décoller, moi je me promène juste avec, tu vois. Okay. Décollage! Adieu petit drone! C'est ta première excursion! Monter, descendre, droite, gauche. Monter, descendre. Pivoter à gauche, pivoter à droite, c'est-à-dire comme ça. Ouais. Je regarde à droite, okay. À gauche.
Et ça, c'est la position. Donc, c'est avancer, reculer, aller à droite, pas de côté, et pas de côté gauche. On peut regarder ce qui se passe un peu en bas. Il y a des berbères. Il y a quelqu'un. Pas du tout la région. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, là, il y a du vent quand même. Ah! Viens, Maxime, viens. Maxime! Non, tu te démerdes! Non! Non, je ne ferai rien! Démerde-toi, je t'aiderai pas! Ça fait bip bip! Ça fait bip bip! Allez, baisse! Baisse l'altitude! Avance un peu! Baisse à fond l'altitude! Baisse à fond, baisse à fond, baisse à fond! Maintiens baissé, maintiens baissé, maintiens baissé, maintiens baissé, maintiens baissé, encore, lâche pas! Maintiens! C'est bon! Bam bam bam, il y avait du vent partout, ça bougeait dans tous les sens. Moi j'étais là, j'ai pas eu peur, j'ai fait tout seul mon gars. Nous sommes actuellement dans un troupeau de moutons. Le mouton est un animal particulièrement développé au Maroc. Et t'as le nombre de petits pulls là que ça nous ferait? On pourrait faire une belle petite couette. Parce que c'est vrai que pour ce soir. Nos duvets sont peut-être pas suffisants. Viens là que je te tourne Norbert. Bon, on est en direction de Boulajoul du coup, après être tombé en panne, être tombé sur ce petit marchand, avoir fait un peu de drone. On a fait pas mal de choses, donc là on va aller directement au bivouac. Et puis passer une petite soirée là-bas, et puis ce sera la fin du vlog après, on ira chez Maxime. Hein Maxime? Oui, n'hésitez pas à aller voir l'épisode 3 sur ma chaîne YouTube. Un épisode 3 plein de rebondissements, dans lequel probablement il y aura des femmes nues et des durites. Et à un moment, la voiture elle va à 150. Allez, salut. Nous sommes actuellement dans un décor pas dégueulasse, qui nous rappelle un peu l'Islande, n'est-ce pas Maxime? C'est vrai. Du coup, bah, on continue de rouler là, mais on a pris tellement de montées qu'on a perdu beaucoup de temps. On espère arriver avant la tombée de la nuit, parce que sinon ça va faire galérer sur ce genre de route. On n'oublie pas que j'ai le petit A derrière, que je viens d'avoir mon permis, donc mes premières conduites sont plutôt agréables. J'apprécie. Bon bah finalement on va pas rentrer avant la nuit je pense. Donc là on est en pleine galère. Allez, on est dans les montagnes, il neige. On va certainement mourir. Abonnez-vous quand même à ma chaîne. Au revoir. En vrai Vous pouvez vous abonner à la sienne aussi. Ouais voilà. Après il y a beaucoup de vidéos. Même si on est mort, il y a quand même beaucoup de vidéos, vous pourrez les regarder. Hein. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a laissé un stock de vidéos assez impressionnant. Assez conséquent. Donc n'hésitez pas à checker. Regarde là, il va y avoir un sacré gouffre je crois. Regarde. Regarde un peu. Ah, tu me demandes des... Est-il nécessaire de rappeler que ça fait 2 semaines que j'ai mon permis et que du coup j'ai conduit un peu dans ma ville, voilà, dans ma rue, et me voilà ici. Donc bon, délicat, délicat. Tranquille. Le meilleur moment de la journée, le moment qu'on attend tous. Plein de bouffe. Il est content là-bas, il est content. Allez. Pommes de terre, carottes, pain, soupe. On va être requinqué comme jamais. Hein. Moi j'avais vu des vidéos de 4 dans le désert de 35 degrés. Tu vois ce bordel? Il y a un mensonge, il y a une erreur sur le truc. Non, on s'est trompé, je pense. C'est pas le bon raid. On s'est trompé, c'est pas le bon raid. C'est pas le 4 degrés. Nous, c'est désert, 4 raies, le soleil, là, rien, rien. C'est Pôle Nord sombre. Ah, ouais, non, c'est Pôle Nord, oui. Pôle Nord Trophy. On vient de se lever. La 4 raies est dans un état incroyable. Vu le bordel d'hier soir. Il y a tout le campement qui est déjà parti, la moitié du campement, vu que nous on est les derniers à partir aujourd'hui à 9h. Il est 7h30 du matin. Ta gueule! On va ranger tout ça et on reprend la route, c'est parti!